Et je bénis le Seigneur, vraiment, je suis dans la joie. Et toujours dans le cadre de la cellule de la grâce, je veux vraiment dire merci au Seigneur pour le mari qu'il m'a donné. Et c'est vraiment sur ce témoignage-là que je voudrais vraiment m'arrêter. Et le point sur lequel je voudrais témoigner, dire merci au Seigneur pour ce monsieur-là. Ce n'est pas donné à tous les hommes de Dieu, surtout qui travaillent en même temps, qui font l'œuvre de Dieu, de prendre soin de leur vie spirituelle. Vraiment, c'est le point sur lequel je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu et bénir le Seigneur aussi avec les frères et sœurs qui sont là. Beaucoup d'hommes de Dieu travaillent et à cause du travail, ils n'ont vraiment pas le temps de s'occuper de leur vie spirituelle. Mais je bénis le Seigneur pour Papa Goné parce que je le vois se battre. Je le vois se battre, il travaille beaucoup. Son travail demande beaucoup. D'heures, beaucoup. Mais il s'occupe toujours de sa vie spirituelle. Il m'appelle, on parle. Et je sens que sa vie grimpe. Sinon, à cause du travail, sa vie pouvait mourir, sa vie spirituelle. Et beaucoup prennent ce prétexte. Je travaille trop, je n'ai pas le temps. Il y a telle chose, il y a telle chose. Alléluia. Mais il se bat. Il est dans la parole. Il cherche. Et quand quelque chose ne va pas, il se met dedans. Il rentre ici, il rentre là. Il est connecté. Et non seulement participer à la vie même spirituelle d'ensemble, mais précisément le point sur lequel je vais dire merci au Seigneur, comme j'ai annoncé, c'est sa vie même, sa relation personnelle avec le Seigneur. Il se bat pour que cette relation grimpe et se développe. Et c'est ma joie. Vraiment, c'est ma joie. Et pourquoi ce témoignage dans la cellule de la grâce? Pour dire, pour exhorter et puis encourager tous les frères et sœurs, même dans le foyer, de toujours persévérer dans la prière. De s'entraider dans la prière, de soutenir l'autre dans la prière et aussi exhorter tous les frères et sœurs de la cellule de la grâce, ceux qui ne sont pas encore mariés, de chercher vraiment à bâtir dans le Seigneur. Parce qu'il faut qu'il y ait un socle. Quand avant le mariage, ce socle a été bâti avec le Seigneur, dans le mariage, ce même socle-là continue de vous accompagner et de vous bâtir. Parce que sinon, quand ça va chauffer, si c'est parti sur du sable, comme la parole de Dieu dit, allez, tout le monde tombe. Amen. Et donc, vraiment, c'est une grâce. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que ça me donne beaucoup de joie. Ça me donne beaucoup de joie parce que je vois beaucoup de femmes de Dieu qui ne sont pas heureuses, soit à cause de leur mari, qui ne sont pas heureuses. Non pas parce que peut-être ils vont faire des choses qui ne sont pas bien, mais parce que spirituellement, leur mari ne grimpe pas. Leur mari est stagnant. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Et vraiment, c'est une très grande joie pour moi. Et c'est le Seigneur qui agit, grimpe. Et vraiment, je tiens à dire merci au Seigneur. Et j'exhorte aussi les frères et sœurs, surtout pour ceux qui ne sont pas venus, qui vont nous entendre et qui vont nous voir aussi, de vraiment bâtir en bâtissant sur le Seigneur. Pour que demain, l'un puisse avoir la force d'aider l'autre et que l'autre aussi puisse avoir la force pour aider l'un. Amen. Et quand il y a une harmonie spirituelle, tout ce qu'on fait réussit au nom du Seigneur Jésus. Quand il y a une harmonie spirituelle, tout ce qu'on touche réussit. Et c'est ce volet-là, franchement, que j'avais voulu souligner pour dire merci au Seigneur. Le saint fait qu'il est vraiment attaché au Seigneur, qu'il se bat pour que sa croissance spirituelle soit au beau fixe. Et je tiens vraiment à dire merci au Seigneur, à le bénir pour tout le travail qu'il fait pour lui au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Bénissons le Seigneur.